Hey, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play sur Until Dawn. Allez, je propose qu'on y aille, c'est parti. Nouvelle histoire. L'effet papillon. Sur un jeu d'horreur, ça tombe bien, c'est temps d'Halloween. J'espère que je ferai les bons choix. Allez, c'est parti. Oh, il neige! Un beau chalet. Ça me rappelle un film, ça. Oh. Il y a Freddy Krueger. C'est pas vrai. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Matt. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne. C'est ça, t'as raison, chérie. Plus conjugal. Anna! Alors, l'ambiance est déjà posée. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Ça promet. Hein. Hey, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Ah. Allez, c'est parti, on joue. On va fouiller, évidemment. Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2 h. Mike. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Commence bien. Bon, faut qu'on intervienne. Lui, il dort. Merde, Josh. Et à picoler. Une fois de plus, frangin, alcoolique. Tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, sploter et voir où ça nous mène. Oh là là. C'est pas vrai? Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Nah,
Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Oh, la pauvre. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna. Elle est sortie dehors. Et on sort. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna ! Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons ! Anna ! Ça prend comme blague. Anna ! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! J'espère que vous allez être bon à ça. Phase QTE. Prudent. Oh là 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 là. Ça commence super bien, les amis. Cours. On va suivre le bruit. Putain, Anna, mais t'es où? Suivez-les pas. Le doigt. Anna. À la recherche de Anna. Oh, dessert. Ah, je me suis trompé de touche, ça c'est le menu. Oui, t'es là ? Quelqu'un ? C'est quoi ça ? Oula ! Totem de mort, d'accord. Super. Il y a des drôles de bruit hein, quand même. Anna. Ah, excuse-moi. Ok. Merde, c'était quoi ? On a un pyromane. Anna. Anna. Oui. On l'a trouvé. Anna. Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Où est là, où est là ? Anna, Bess. Ça sent la merde. Cours. Anna ! Oh la conne. Ah bah bravo, le téléphone. Ah bah ça c'est cool. Non.
c'est mal barré là. Tiens bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens bon. Donc pas de sympathie. D'accord. Alors, c'est quoi là? Moi je la laisse tomber. Je suis désolée. On pouvait pas survivre ça. Ah d'accord. D'accord, je sais pas si c'était le bon choix, mais les deux sont mortes. L'analyste. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. D'accord, donc c'est un jeu pour eux. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. Oui. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. D'accord, super, j'ai l'impression d'être chez le psy là. Une grange avec un épouvantail. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Soyons francs. De la joie? C'est bien. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie? Le soleil. Le soleil, je vois. Quel mot exprime le mieux ce que vous ressentez en présence de l'obscurité. Déprime. Oui, les nuits d'hiver sont froides et noires. Il n'est pas rare que l'on se sente déprimé, désespérément seul. Cette nuit, la nuit de votre partie, est particulièrement froide et noire. Il y a de quoi se sentir seul, parfois. Est-ce un problème? Non, ça va. Je vois, vous n'êtes pas du genre sociable, n'est-ce pas? Ouais, si. Ça me dérange pas d'être seul non plus. Pas dit ça. Nous avons découvert un sujet important à explorer lors de la prochaine session. C'est fini pour aujourd'hui. Amusez-vous bien. Et à bientôt. D'accord. Je sais pas ce que vous pensez, moi j'ai trouvé ce truc bizarre là. On passe de la maison hantée à ça. Ouais, et maintenant on a l'intro. Super. Bon bah début du jeu. Pas mal pour l'instant. Musique copyrightée, attention. Until dawn.
J'espère que ce let's play va vous plaire. Pas mal la musique. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Ça se passe un an après. De la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, on le refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais je tiens à vous dire une chose, ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti! Longue intro. Nous sommes arrivés. Chapitre 1, amitié. 10 heures jusqu'à l'heure. Bien, bien, bien. Ah, d'accord. C'est très rassurant. D'accord, donc on s'appelle Sam. Ah ouais, d'accord. Eh oh ! Y'a quelqu'un ?
Bon, bien les amis, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était un bon début. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir.